merci de m'avoir invité à parler dans ce lieu extrêmement agréable quand on parle d'habitat parisien au XVIIIe siècle, même si on est plutôt sous des lambris du XVIIe. Mais vous allez voir que ce dont je vais vous parler, ça ne sera pas tellement les grandes opérations d'urbanisme, même si on verra la démolition des maisons sur les ponts en fin de parcours, mais comme le titre l'indique, c'est plutôt l'habitat. Alors, l'habitat parisien au XVIIIe siècle, l'idée n'est pas de vous présenter les nouveautés, parce que ça, on le trouve assez souvent. C'est en fait le point de départ de la thèse que j'ai soutenue maintenant il y a une quinzaine d'années, et dans laquelle je voulais connaître l'habitat des Parisiens au XVIIIe siècle, mais sans exclusive, c'est-à-dire pas uniquement ceux qui ont les moyens de se payer un architecte à la mode et de se faire construire quelque chose de nouveau dans un quartier à la mode aussi, mais le tout venant du Parisien. Et donc c'est surtout de cela que je vais vous parler, donc profitez bien du lieu. C'est pas du tout le genre d'habitat qui va être développé aujourd'hui. Et si la deuxième partie sera consacrée plus spécialement au pont, il y a une raison conjoncturelle que j'évoquerai tout à l'heure, mais c'est aussi lié au fait que finalement les maisons qui sont sur les ponts sont assez représentatives de ce petit habitat modeste que l'on trouve dans le reste de Paris, un petit peu sous tous ses aspects, que ça soit dans les matériaux employés ou bien dans les formes générales, dans la distribution intérieure. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça en vous donnant des exemples qui au départ ne sont pas exclusivement pris sur les ponts, bien sûr, puisque je vais d'abord vous parler de façon un peu générale avant de changer de focale et de faire un plongeon sur les ponts, j'ai l'habitude d'appeler les ponts bâtis, mais c'est pas une bonne expression. On n'a pas d'expression, les ponts sont bien sûr bâtis, mais surmontés de maisons, voilà. Il y a eu une thèse en Allemagne dans les années 70 sur les ponts bâtis de Paris. C'était dit Überbaut, Brücke von Paris, et Überbaut, c'est qui est bâti par-dessus. Donc voilà, l'allemand a des facilités de construction de mots que le français n'a pas. Bon, alors quelques petits rappels avant d'entrer dans le vif du sujet sur la situation parisienne au XVIIIe siècle. Paris est une des plus grandes villes d'Europe, une des plus peuplées, à peu près un demi-million d'habitants au début du siècle, probablement plus de 600 000 habitants au moment où éclate la Révolution française. Et si on s'intéresse aux maisons, alors bien sûr, personne n'a compté, en tout cas pas à la veille de la Révolution, exactement le nombre de maisons, mais disons que c'est à peu près 25 000 maisons dans Paris, sachant que le mot maison désigne un immeuble d'habitation. Le terme immeuble que nous employons aujourd'hui est très tardif. On parle de grandes maisons pour ce que nous appelons des immeubles jusqu'au début du XXe siècle sans problème. Donc au XVIIIe siècle, quand on dit maison, ici nous sommes dans une maison. Voilà. Donc ça peut être une grande maison ou une petite maison. Vous avez plusieurs exemples si vous regardez de l'autre côté de la Seine. Donc à peu près 25 000 maisons à la fin de l'Ancien Régime. On a des dénombrements antérieurs. Il y a un dénombrement des maisons de Paris en 1740 qui donne un chiffre beaucoup plus exact, mais je ne suis pas certain qu'il soit vraiment réel. 22 868 maisons, vous voyez. Quelqu'un est passé pour les compter. Bon. Alors, toutes sortes de maisons donc dans ce Paris du XVIIIe siècle, des hôtels particuliers, bien sûr, dont je ne parlerai quasiment pas, c'est pourquoi je les évoque en premier, qui sont parfois récupérés par des administrations pour y installer des bureaux, et je renvoie à la thèse de Natacha Cochry, que vous avez peut-être entendue le mois dernier ici même, qui a très bien développé cet aspect de récupération des hôtels particuliers pour en faire des hôtels de bureaux. Des immeubles locatifs aussi, qui sont souvent construits à partir de la fin du XVIIe siècle et puis au cours du XVIIIe siècle. Et là aussi, une très belle thèse, malheureusement, qui n'a pas été publiée, mais qui est un monument, celle de Pierre-Denis Boudriau, de l'inerte à l'animé, l'immeuble parisien sous Louis XV. Alors c'est une thèse comme on n'en fait plus, il est allé jusqu'à calculer le poids d'un immeuble locatif parisien en prenant tous les poids de tous les matériaux avec la masse volumique, etc. Enfin, c'est un truc extraordinaire. C'est peut-être pour ça que c'est pas publié d'ailleurs, c'est pas facile à publier, mais bon, c'est quelque chose de tout à fait inouï.
Pierre-Denis Boudriau fait tout à fait autre chose aujourd'hui. Il a totalement arrêté, je crois, de s'intéresser à ce genre de sujet. Et puis, la majorité des maisons, ben, ce sont des maisons qui sont plus petites, plus étroites, pas forcément moins hautes, et qui sont celles qui abritent la plupart des Parisiens, et qui, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas construites au XVIIIe siècle, même si le XVIIIe siècle reconstruit certaines d'entre elles, parfois sans changer grand-chose, avec des matériaux similaires, avec des méthodes similaires, et bien sûr sur des parcelles qui, elles, ne bougent pas. Ce qui explique pourquoi les maisons sont assez proches de ce qu'elles pouvaient être avant la reconstruction. Donc la maison, l'habitat parisien au XVIIIe siècle, finalement, c'est un habitat en grande partie hérité du XVIIe siècle, voire du XVIe siècle, mais dans une moindre mesure. Pour savoir à peu près comment se présente cet habitat, puisque, vous l'avez compris, j'essaie d'avoir une approche un peu globalisante, c'est très compliqué, puisque vous le savez bien, beaucoup de choses ont disparu aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment faire de l'archéologie du bâti, puis c'est pas mon métier non plus, je suis pas archéologue. Et donc, mon idée, c'était de travailler à partir d'archives écrites. Et donc les résultats dont je vais vous parler, qui sont issus en fait de ma thèse, sont en grande partie issus d'un fonds absolument unique aux Archives nationales. Pour ceux qui aiment les numéros, les noms de série des Archives nationales, c'est la sous-série Z1J. La sous-série Z1J, c'est celle qui conserve les archives des experts jurés des bâtiments de Paris. Donc des hommes qui sont des spécialistes du métier, et qui sont appelés en cas de litige, en cas de nécessité d'établir des indemnisations, en cas de décès, par exemple, on veut savoir combien peut valoir la maison de la personne qui est décédée. Les héritiers veulent avoir une idée. On fait appel à un juré expert des bâtiments. Les jurés experts de Paris ont le droit d'ailleurs de travailler dans tout le royaume. Donc on trouve dans ce fonds des expertises, des procès-verbaux d'expertise qui ne concernent pas uniquement Paris. Enfin, 25 000 maisons, c'était humainement impossible, et je ne suis pas un surhomme, et donc il a fallu restreindre. J'ai donc restreint à ce que j'ai appelé le centre de Paris, et donc je vais beaucoup vous parler de cela, c'est-à-dire là où nous sommes, l'île de la Cité, la rive droite. Je me suis arrêté pas très loin parce qu'il y avait un splendide travail dirigé par André Chastel en 1977, publié au CNRS sur le quartier des Halles. Donc je me suis arrêté à la rue Saint-Honoré, vous voyez, je ne suis pas allé très au nord. Et puis sur la rive gauche, tout ce qui est dans les murailles de Philippe Auguste. Ça faisait quand même un assez bel ensemble. Je m'aperçois que je n'ai pas ici dans mes notes le nombre, c'est juste histoire de vous impressionner. Hein. Si, à peu près. À peu près 4500 procès-verbaux de visite dépouillés. Alors, il y en a, c'est juste, on fait une visite parce que vous avez dans votre cave des fuites malodorantes qui sont en fait les fuites de la fosse d'aisance de votre voisin. Enfin, vous le supposez, vous le subodorez. Et donc, vous faites venir l'expert qui va aller vérifier, on fait vider la fosse et qui va regarder s'il n'y a pas des fentes, voilà. Donc, ce genre de procès-verbal de visite ne vous apprend pas grand-chose sur la maison en elle-même. Ça peut être des choses très ponctuelles. Mais quand vous tombez sur un procès-verbal qui vient couronner une construction de maison, alors là, c'est la fête, parce que non seulement vous avez la description de la maison, mais en plus, on fait vérifier par l'expert que l'entrepreneur, ou plutôt les entrepreneurs, parce qu'il y a le maçon, le charpentier, etc., n'ont pas arnaqué le bourgeois, comme on dit à l'époque pour le client. Et puis, vous avez très souvent des plans, vous avez des élévations, des coupes. Donc là, c'est jackpot, hein, cette journée d'euro million, voilà. Donc, à peu près 4500 procès-verbaux de visite, et ça permet la connaissance d'environ 2000-2300 maisons du centre de Paris, ce qui est quand même pas mal, statistiquement parlant, ça fait quand même près de 10% du total de la capitale. Donc, bon. Alors, maintenant, comment se présentent ces maisons et quelles sont leurs caractéristiques? Alors, première chose, je vais regarder les choses en deux temps. D'abord, les matériaux qui sont utilisés. Vous verrez qu'il y a des choses qui restent depuis longtemps. Et puis, les formes que l'on donne à ces différentes maisons.
Alors voilà, ça c'est une image que vous connaissez tous, hein, le fameux plan de Brotèze, ou dit aussi plan de Turgot, qui n'est pas inintéressant, qui bien sûr n'est pas topographiquement exact, dans la mesure où, bien sûr, pour pouvoir montrer les façades, on a élargi exagérément les rues, mais vous verrez que je l'ai utilisé d'une façon un petit peu artisanale. Mais si je vous le montre là, c'est que ça vous permet de voir à peu près une bonne partie de l'espace que je vais évoquer, et puis surtout de voir la densité. Paris est une ville qui est très dense, en particulier dans ces quartiers-là, puisque les quartiers périphériques sont un petit peu moins densément bâtis et laissent la place à un certain nombre d'espaces vides, qui sont souvent autant d'espaces verts. Alors, un paysage que vous reconnaissez, même si ça a un petit peu changé. L'hôtel de ville n'est plus tout à fait le même, mais il est toujours au même endroit, donc c'est l'avantage. Nous sommes là sur la place de Grève, c'est un tableau de Nicolas Jean-Baptiste Ragnet, qui est conservé au musée Carnavalet. Et si je vous ai mis cette image, c'est que quand vous regardez ces maisons, il est assez difficile, comme ça, à l'œil, de savoir comment elles sont bâties. Savoir si ce sont des maisons qui sont bâties en pierre, si ce sont des maisons qui sont bâties en pan de bois, rien ne permet de le dire. Alors, je vais quand même vous donner un petit bout de réponse, parce que, bien entendu, ça ne serait pas du jeu. Si vous regardez cette maison-ci est en pierre. Alors, pierre, je vais immédiatement, dans quelques minutes, expliquer ce que j'entends par pierre. Celle-là, donc là, le fameux cabaret de l'image Notre-Dame, est en pan de bois, mais c'est du pan de bois qui est recouvert. Et beaucoup plus étonnant, les façades que vous avez ici, à l'extrême gauche, sont des façades en pan de bois. Enduites, bien entendu. Elles ont été bâties lorsque le quai Pelletier a été ouvert, donc dans les années 1673-74. Et pour ne pas alourdir les façades qui portaient sur ce quai, qui était en partie, il me semble, le souvenir est un peu flou, voûte, eh bien, on a décidé de bâtir en pan de bois, puis on bâtit plus vite en pan de bois. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, et bien sûr, l'hôtel de ville est en pierre, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les maisons parisiennes, vous avez du pan de bois, vous avez de la pierre. Alors, quelles sont les proportions? Grosso modo, c'est 60% des façades, pour autant que je puisse les connaître, hein, du centre de Paris, qui sont des façades en pierre. Alors, qu'est-ce que j'entends par pierre? Soit pierre de taille, c'est relativement rare. Quand on a les moyens, on fait toute la façade en pierre de taille. Soit moellon, recouvert d'un enduit à base de plâtre. Et ça, c'est le plus courant. Le mur en moellon, c'est le mur parisien, le plus courant. C'est le mur mitoyen, habituel, entre deux maisons. Eh bien, on bâtit des murs mitoyens en moellon, qui permettent, entre autres, d'arrêter le feu si un incendie se déclare dans une des maisons, faire en sorte que l'incendie ne se propage pas trop vite, en tout cas, à la maison voisine, parce que par les toits, ça peut aller très vite quand même. La plupart des façades sur rue sont construites en moellon, recouvert, hein, vous voyez, ici, toutes les façades ont à peu près le même aspect. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de façades arrière sur les cours, je reviendrai sur la façon dont s'organisent les maisons, qui sont également en moellon. À côté de cela, vous avez aussi une persistance du pan de bois qui peut être assez étonnante, parce que construire en pan de bois, c'est considéré comme quelque chose de médiéval. Quand vous allez à Rouen, à Troyes, on vous dit « regardez les belles maisons du Moyen-Âge ». Et en fait, la plupart du temps, elles ne sont pas du Moyen-Âge, elles sont de l'époque moderne. C'est comme, vous savez, la plus vieille maison de Paris, enfin, à mettre entre guillemets, qui est rue Volta, c'est avéré dater de 1648, enfin dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas du tout une maison médiévale. Mais ce sont des idées qui ont la vie dure. Et donc, je voudrais insister un petit peu plus sur cette persistance du pan de bois. Alors, pourquoi est-ce que le pan de bois persiste aussi longtemps? Alors, voilà déjà un exemple. Nous avons ici, ça fait partie de ces procès-verbaux de visite dont je vous ai parlé, la reconstruction de toutes les façades sur cour d'une maison de la rue Dauphine. On est en 1781. Et vous voyez qu'en 1781, eh bien, on reconstruit en pan de bois. Donc ici, en fait, c'est
Le croquis qui accompagne le devis du charpentier qui fabrique les pièces qui constituent le pan de bois, et vous voyez que chacune des pièces est cotée. Donc on vous donne la longueur, et puis par ailleurs dans le texte vous avez également, puisqu'il y a un texte d'accompagnement, vous avez également l'écarissage de chacune des pièces de bois, c'est-à-dire la largeur et la longueur de chaque tranche, disons. Voilà. Et donc là, nous sommes dans les années 1780. On reconstruit la façade qui est la façade arrière de la maison sur rue, mais aussi la façade qui est en face, au fond de la cour, et puis la façade de l'aile, du bâtiment en aile, qui est sur le côté de la cour et qui abrite en particulier l'escalier. Et sans aller très loin d'ici, on trouve encore, malheureusement c'est de plus en plus compliqué d'entrer dans les cours à Paris, enfin ça date pas d'hier, mais dans l'ancien quartier canonial sur l'île de la Cité, il y a un très bel exemple, rue Chanoinès, je crois que c'est au 42 ou au 44, je ne sais plus, j'ai pas pu y entrer depuis au moins 15 ans, très très bel exemple d'une aile avec un escalier, mais il faut aller dans la dernière cour, et là c'est très très étroit, hein, c'est une cour qui est juste qui permet juste un éclairage très chiche, mais un extraordinaire escalier entièrement en bois avec balustrade, etc., qui est construit sur le côté de la petite cour. Donc vous voyez qu'en 1780, on continue à bâtir en pan de bois. Pas sur la rue, ça ne se fait plus trop, même si on a quelques exemples, en particulier dans un lotissement qui a été réalisé du côté du Faubourg Saint-Jacques dans les années 1785-86. La question est de savoir pourquoi on bâtit en pan de bois. Alors, pour le lotissement dont je viens de parler, j'ai trouvé, alors je ne citerai pas chez qui, parce que je ne suis pas là pour balancer, c'est quelqu'un qui a écrit des choses merveilleuses par ailleurs, mais qui dit c'est parce que c'est moins cher. On bâtit en pan de bois parce que ça permet de faire moins cher. Ben, c'est pas vrai. Alors là, je me suis livré à des petits calculs épouvantables, dont je vous fais grâce, pour savoir si on prend un mur d'une certaine taille, étant donné le prix du bois que j'ai pu trouver dans les procès-verbaux, le prix de la pierre, qu'est-ce qui revient le plus cher ? Eh bien, régulièrement, c'est le mur en pan de bois qui coûte plus cher à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je ne sais pas ce qu'il en est auparavant. C'est sans doute lié à la pénurie de bois. Vous savez qu'il y a de grandes entreprises de remise à flot d'une flotte militaire, à la fois à l'époque de Colbert et puis au XVIIIe siècle, en particulier avec la guerre de Sept Ans. Et donc le bois renchérit énormément à cette époque-là, puisque le bois qui sert à faire des bateaux, c'est le même qui sert à construire les maisons. Ce qui pose la question de la raison pour laquelle on continue à construire en pan de bois si ça n'est pas moins cher que la pierre. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la force de l'habitude, sûrement. Il y a aussi le lobby des charpentiers, pour parler comme aujourd'hui, hein, les charpentiers perdraient du travail si on abandonnait totalement ça. Et puis surtout, il y a l'aspect extrêmement, disons, pratique de la construction en pan de bois, qui est une construction légère, beaucoup moins. Les murs en pan de bois sont moins épais que les murs en moellon ou en pierre en général, donc ça permet de gagner un petit peu de place, et comme je vous l'ai dit, les maisons parisiennes ne sont pas très très grandes, donc gagner quelques centimètres, même si on ne parle pas en centimètres à l'époque, dans son espace de vie, c'est toujours ça de prix. Et puis, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des pans de bois à bois court, c'est-à-dire que chaque étage est indépendant. Et donc, si vous avez un problème sur un étage, vous pouvez gratter, démonter, et puis remonter sans détruire toute la façade. Et c'est quand même, là, pour le coup, vous faites une belle opération financière, puisque ça vous coûte beaucoup moins cher. Vous n'êtes pas obligé de refaire entièrement votre façade. Donc je pense que ce sont les raisons. Mais je n'ai pas de réponse définitive, hein. C'est une question que je me pose. J'ai balancé ça dans quelques colloques. Ça n'a absolument pas donné de réaction ni outrée, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. Donc voilà, j'en reste là. Et puis actuellement, je travaille plutôt sur d'autres choses. Alors quelques exemples pour vous montrer que on peut les voir encore aujourd'hui, et même parfois sur rue. Alors je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que vous voyez sous le petit morceau de tissu où il est écrit « café » qu'on voit le démarrage d'un pan de bois ? Bon, alors, il y en a qui le voient, les autres peut-être pas. Ben, les autres, croyez-moi sur parole, et puis allez vous balader, vous voyez, vous avez l'adresse, hein, au coin de la rue Homer et de la rue Beaubourg.
Vous regardez, vous levez la tête. Alors bien sûr, il y a le poitrail en bois qui est cette grosse poutre qui soutient la façade, mais la façade au-dessus, elle est en pan de bois. Sauf que si je n'avais pas levé la tête au moment où je passais là, je suis passé devant plein de fois sans m'en rendre compte, puis un jour j'ai regardé, eh bien je n'aurais pas pensé que les deux murs de façade sur les deux rues sont en pan de bois au-dessus. Et puis parfois on a de la chance, il y a des travaux de réfection de façade. Voilà par exemple, là on est rue Saint-Denis, c'était en 2007 je crois. On avait démonté entièrement l'enduit et donc on voit que cette maison a des façades qui sont entièrement en pan de bois. Et c'est une maison qui date du début du 18e ou de la fin du 17e siècle. Voilà, donc on continue à construire et il y a même des immeubles haussmanniens dans lesquels vous avez des éléments qui sont en pan de bois. Alors maintenant pour la pierre. Là aussi, vous voyez, on avait gratté l'enduit, je suis passé par là, j'ai pris la photo. Il faut être opportuniste dans ce genre de choses. Vous voyez très bien que le coin de la maison, donc là on est dans le Marais, rue Elzévir, le coin de la maison est en pierre de taille, en pierre taillée. Et donc en général, on utilise la pierre taillée, sauf quand on a des gros moyens et on fait toutes les façades en pierre taillée, enfin là, c'est quand même assez rare, pour les premières assises de la façade, et puis également pour les angles, pour les contours des fenêtres, et ensuite le reste, eh bien, on le fait en moellon, donc cette pierre grossièrement équarrie, qui vient des mêmes carrières, hein, ce sont les carrières de pierre dure de la banlieue sud, hein, on dit la pierre d'Arcueil, qui vient pas forcément d'Arcueil, Arcueil, Cachan, etc. Et puis si on veut faire un petit peu de sculpture, donc là c'est plutôt pour les corniches, les choses comme ça, on va plutôt aller chercher du calcaire tendre qui lui vient de la vallée de l'Oise, donc c'est Saint-Leu, Trocy, cette région où il y a encore des carrières aujourd'hui qui sont utilisées d'ailleurs pour les restaurations de monuments historiques. Voilà, et donc ça c'est le mur traditionnel de la maison en pierre parisienne qui est, comme je vous l'ai dit, 60% des maisons ont leur façade sur rue en pierre. Et vous voyez que ici la fenêtre a été traitée de façon très fruste puisque il n'y a même pas de tour en pierre de taille et que au-dessus on n'a pas un beau linteau clavé mais un morceau de bois. Et tout ça étant enduit, bien entendu, on n'y voit que du feu. Et ça c'est lié à la grande qualité et à la grande quantité de plâtre dont on dispose à Paris. On en a plein, donc on l'utilise à foison et on peut faire toutes sortes d'enduits en mettant quelques pigments parfois pour que ça soit un petit peu moins, moins blanc ou moins gris. Voilà. Alors ici, je vous ai juste montré, c'est toujours tiré d'un procès-verbal d'expertise, une coupe, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler, qui vous montre les éléments en pierre de taille. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle une harpe de pierre de taille, le reste étant en moellon. Et puis on voit aussi que les fondations sont en pierre et que bien entendu la cave est voûtée et que la voûte est en pierre. Pour ce qui est du reste, vous pouvez voir la différence d'épaisseur du mur de façade ici, qui est en pierre, tout à fait à droite, et sur le même bâtiment, du mur de façade sur cour, qui est beaucoup moins large, beaucoup moins épais, et donc qui est en pan de bois. Voilà. Donc là, vous avez un très bel exemple de comment on bâtit ces maisons. Et puis, vous avez aussi une vue imprenable ici sur les planchers et sur les toits, qui, bien sûr, là, pour le coup, sont tous en bois. Tous les planchers sont faits avec des solives. Alors ici, on a un plancher haut, comme on disait à l'époque, qui est splendide, mais qui ne se fait plus au XVIIIe siècle, parce que des grosses poutres comme ça, ça ne se trouve plus et ça coûte horriblement cher. Donc on peut les remployer si on en a trouvé des anciennes et qu'elles sont encore en état, mais sinon ce sont des enchevêtrements de solives qui offrent un autre avantage, puisque très souvent on plafonne les planchers, comme on dit, c'est-à-dire que l'on cache, en fait, alors nous, c'est assez amusant, tout à l'heure je vous disais, on cache les moellons, on cache les solives, alors que de nos jours, quand on a une maison en moellon, on les montre, ce qui
qui a priori n'est pas du tout ce qu'il faut faire, sauf si c'est de la meulière, là, c'est prévu pour dès le départ. Et puis quand on a des solives, on les montre aussi. Voilà. Ben, à l'époque, on les montrait de moins en moins. Au XVIIIe siècle, on a tendance à les cacher. Et donc si vous avez une poutre, ben, c'est beaucoup plus compliqué de faire un plafond plat. Vous avez forcément la poutre qui dépasse. Alors que si vous avez des solives, tout est au même niveau. Et surtout, les solives sont de moindre écarissage, elles sont donc plus faciles à trouver, et puis elles sont moins lourdes aussi. Voilà. Et puis, bien sûr, les charpentes des combles sont exclusivement en bois, là aussi. Ce qui m'amène à la dernière étape, une fois qu'on a tout construit notre maison et qu'on a fait les charpentes des combles, il faut les couvrir, les maisons. Alors, je reviens sur mes maisons, donc, dont vous savez maintenant que la façade est en pan de bois. Regardez les toits, vous voyez la prédominance de la tuile. Alors ici, on pourrait dire les trois quarts sont en tuile, et puis vous avez un brisi sur la maison de droite qui est en ardoise. En réalité, pour ce qui est du centre de Paris, et j'ai écarté dans ce comptage tous les bâtiments officiels, bien sûr, parce qu'on est dans l'habitat uniquement, c'est 97% des toits qui sont couverts de tuiles. Donc aujourd'hui, Paris est une tuile avec des toits en zinc. À l'époque, Paris est une ville avec des toits en zinc. Et à l'époque, Paris était une ville avec des toits rouges. Donc en survolant Paris, on a une forêt grise. À l'époque, on avait une forêt rouge, avec de temps en temps donc des ardoises, mais uniquement pour les brisis. Et en plus, vous ne le voyez pas systématiquement, hein, pour les brisis les plus raides. Et puis, pour les bâtiments officiels, l'hôtel de ville, un certain nombre de bâtiments de ce type-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup plus la tuile que l'ardoise ? Bah, tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher. Pour deux raisons. D'abord, du point de vue du matériau lui-même, l'approvisionnement, la tuile qu'on utilise à Paris, enfin la tuile de qualité, c'est de la tuile de Bourgogne. Donc, elle arrive par la Seine, en fait. Il y a le port aux tuiles, et on débarque les tuiles par milliers. Alors que l'ardoise, elle, celle de bonne qualité vient de la région d'Angers. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il faut passer par voie terrestre. On ne va pas faire du cabotage, bien entendu. Donc déjà, ça coûte plus cher. Et puis ensuite, la pose est beaucoup plus onéreuse. La tuile, vous savez, elle a un petit crochet. Et donc, vous mettez des lattes et vous accrochez vos tuiles. Ça va vite, ça ne coûte pas très cher. Pour l'ardoise, il faut faire un lattis complet, donc sans trou. Et ensuite, il faut clouer les ardoises. Donc, vous avez plus de lattes, l'ardoise coûte plus cher, et il faut payer les clous. Le calcul est vite fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle on utilise avant tout la tuile, et non pas l'ardoise. Alors maintenant, donc on a fait à peu près le tour. Je reste uniquement sur le gros œuvre, hein, parce qu'après, on pourrait entrer, voir tous les matériaux, mais le temps file, et nous n'aurons pas l'occasion. Autre exemple qui vous montre là aussi qu'il y a des tuiles partout, sauf, vous voyez, sur ce petit édicule. En fait, c'est une sorte de... Il y a une terrasse derrière. Donc, c'est une maison canoniale. Hein. On est là, ça n'existe plus. Hein. C'est le bout de l'île de la Cité, vers la rive droite. Et donc ici, on a une terrasse avec une vue sur la Seine. Petit promenoir couvert d'ardoises et puis deux petites tourelles. Voilà. Un endroit absolument sympathique et agréable. Alors voyons maintenant quelles sont les formes de ces maisons. Alors si on regarde rapidement, vous voyez ici des maisons qui sont quand même des maisons assez cossues, mais qui sont toutes à peu près sur le modèle du rectangle. Et vous pouvez constater qu'elles sont relativement hautes. Hein. On n'a pas de petites maisons basses dans le centre de Paris. Alors voilà, j'ai fait deux comptages. Et vous voyez que cette statistique, c'est le nombre d'étages carrés, c'est-à-dire que j'ai éliminé les étages dans le comble, qui sont visibles sur la rue, parce que évidemment j'aurais pu jouer aussi au nombre d'étages côté cour, mais alors là on ne s'en sortait plus, dans le centre de Paris. Alors j'ai fait deux comptages, et vous voyez, celui-là est fait d'après le plan de Louis Bretèze de 1739. Comment j'ai fait ? Ben, j'ai pris le plan de Turgot, je me suis approché très près, et rue par rue, j'ai compté les étages de toutes les maisons. J'ai pris un peu de temps, et parfois on fait des trucs idiots qui donnent juste ça, mais voilà, ça me permettait d'avoir quelque chose qui est assez parlant. Alors, il y a 1793 maisons hein, qui ont été comptées. Bien entendu, je n'ai qu'un côté des rues, puisque
le plan de Turgot montre les façades des maisons, mais uniquement d'un seul côté. Et voilà le résultat. Alors, on voit que le nombre d'étages carrés qui revient le plus souvent, c'est 3 étages, donc R plus 3, comme on dit aujourd'hui. Mais vous avez aussi un certain nombre de maisons qui ont 4 étages. Alors, j'ai comptabilisé les entresols. Quand on a entresol plus 2, je le compte comme 3, parce que sinon, c'était impossible. Vous voyez donc que les maisons parisiennes sont relativement hautes. Si on compare avec les autres villes françaises à la même époque, Paris est une ville beaucoup plus élevée. Les autres villes françaises à l'époque sont plutôt à 2-3 étages, 3 étant un maximum. Vous voyez que là, j'ai quelques exemples, pas beaucoup, à 6 étages. J'en ai trouvé 4 sur le plan de Turgot. Maintenant, deuxième statistique, à partir des procès-verbaux d'experts, donc sur 30 ans. 2295 maisons, là, pour le coup, et vous voyez que les résultats sont à peu près les mêmes. Simplement, j'ai un échantillon plus grand, et vous voyez aussi que ça monte jusqu'à 7. 7 étages, ça arrive, et ce sont 7 étages carrés. Il faut imaginer que, dans le comble, vous pouvez avoir un étage mansardé et un étage encore au-dessus. Donc, vous avez des maisons, certes pas très nombreuses, qui vont jusqu'à 9 étages à cette époque-là. Bien sûr, sans ascenseur. Voilà. Et vous verrez que sur les ponts, on en trouve aussi. Voilà. Donc, la maison parisienne, c'est une maison qui est plutôt une maison haute pour son époque. Et c'est ce qui surprend les voyageurs qui, la plupart du temps, disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette ville où les maisons sont très élevées ?» Quand on marche dans certaines rues, on a l'impression de marcher au fond d'un puits. Bon, ça, c'est Rétif de la Bretonne, qui est un Parisien d'adoption, mais qui connaît bien les rues de Paris, bon, qui dit ça. Vous avez aussi un des passages dans les lettres persanes où l'un des persans imaginaires de Montesquieu dit « C'est bizarre, cette ville où les gens habitent les uns au-dessus des autres. On dirait qu'on a mis des maisons superposées. » Enfin bon. Et après, vous avez des voyageurs beaucoup plus classiques, hein, qui s'étonnent de cela. C'est un voyageur anglais, je crois, qui dit « Paris est une ville de maisons sans rue, alors que Londres est une ville de rues sans maisons. » Ce n'est pas tout à fait le texte, mais c'est à peu près ça. Donc on voit bien que Paris est une ville très dense et ressentie comme telle à cette époque-là. Alors, maintenant qu'on a vu la hauteur, regardons un petit peu comment se présente la maison en plan. On est toujours dans le même quartier, hein, vous avez peut-être reconnu, là c'est place de l'Hôtel de Ville parce que c'est le plan de Vassereau et Bélanger qui date des années 1830. L'Hôtel de Ville est ici, et puis ici la rue de la Mortellerie qui aujourd'hui est la rue de l'Hôtel de Ville. Et ces maisons évidemment n'existent plus pour la plupart d'entre elles, mais c'est les maisons que nous voyons sur la vue de Raguenet tout à l'heure, hein. Le cabaret de l'image Notre-Dame est ici. Vous voyez que la forme de la parcelle de la maison parisienne, c'est un rectangle. Voilà. Et l'essentiel des maisons de Paris sont des rectangles plus ou moins réguliers. C'est à peu près 80% des habitations dans le centre. Et puis, on pourrait ajouter 15% supplémentaires du total qui sont des parcelles rectangulaires un peu déformées. Alors, c'est par exemple ce grand bâtiment qui est ici, vous voyez qu'il y a une forme de L. Finalement, c'est jamais qu'un rectangle avec un autre rectangle ajouté. Et les parcelles vraiment complexes, vraiment irrégulières, qui sont souvent le résultat de nombreuses reprises et de rassemblements de plusieurs maisons qui peuvent remonter, là pour le coup, au Moyen-Âge, c'est 5% à peu près du total. Donc, des maisons assez régulières, je crois que j'ai un... Ah oui, même lorsqu'on rebâtit, c'est assez amusant, là vous avez un bâtiment qui existe toujours, hein, qui s'appelle la Cour d'Aligre, donc rue Bailleul, vous pouvez aller voir, c'est moche, hein, aujourd'hui il y a un garage au rez-de-chaussée sur la gauche, je crois, c'est dans une rue très étroite, c'est un grand bâtiment construit dans les années 1780, à des fins locatives, hein, et vous voyez que malgré tout, eh bien, on l'a divisé en un certain nombre de parties qui sont toutes plus ou moins rectangulaires. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un escalier qui dessert les étages au-dessus. Donc, même quand on a un grand immeuble, eh bien, on le partage comme si c'était plusieurs maisons côte à côte. Autre exemple de la fin du XVIIe siècle, ce grand immeuble qui borde aujourd'hui la place où se trouve la Fontaine des Innocents et qui surplombait
à l'époque de sa construction, le cimetière des Innocents, donc qui est rue de la Ferronnerie. Hein. Cet immeuble qui a été construit, dit-on, après l'assassinat d'Henri IV pour élargir la rue, c'est une des raisons parmi d'autres. Voilà. Alors, les parcelles qui existent sont souvent... Voilà, là, c'est un exemple rue de la Barillerie. Ça n'existe plus. Hein, c'est le boulevard du Palais aujourd'hui. Mais vous voyez toujours cette idée qu'on a des rectangles plus ou moins réguliers. Et là, c'est une reconstruction aussi des années 1780 qui a duré jusqu'au percement du boulevard du Palais. On avait construit, à la toute fin de l'Ancien Régime, de très beaux immeubles à boutique avec arcade qui, malheureusement, n'existent plus. Donc, vous voyez aussi que la plupart de ces parcelles sont relativement petites et que ça ne permet donc pas de faire de très grandes maisons. 60% des maisons du centre de Paris se composent d'un seul corps de logis. C'est-à-dire que vous avez la rue, un corps de logis et une petite cour derrière. Et puis, c'est tout. Alors, parfois, il y a une aile sur le côté dans laquelle on met un escalier, mais ça ne va pas plus loin. 60%, c'est quand même quasi les deux tiers, c'est important. Et puis ensuite, vous avez à peu près 36% qui ont deux corps de logis. Alors là, vous en avez un bel exemple, si je prends cette parcelle-là. Premier corps de logis, ici. Bon, c'est peut-être pas la meilleure, je vais prendre celle d'à côté, là, celle qui est noire. Premier corps de logis ici, ce qu'on appelle un corps de logis double, avec une partie éclairée sur rue, une partie éclairée sur cour. Ensuite, une petite cour avec une aile. Et puis un deuxième corps de logis, qui ici est tout à fait petit, au fond. Et ça, c'est à peu près un tiers, un peu plus du tiers, des maisons. Et puis, au-delà, soit on est dans des quartiers périphériques, soit dans le centre de Paris, on est dans des endroits relativement rares, donc c'est à peu près 5%. Et on a des échelonnements de corps de logis séparés par des cours. Ici, sur l'île Saint-Louis, on a un certain nombre d'exemples de premier corps de logis, cours, deuxième corps de logis, et si on est de l'autre côté de la rue Saint-Louis, on regarde vers le sud, c'était jardin. Et aujourd'hui, il y a un deuxième cour et corps de logis qui donne sur le quai. Mais à l'origine de la construction, on avait des jardins tournés vers le sud. C'était quand même très, très agréable. Et puis, parfois, on pouvait avoir une petite montée au fond et avoir une vue sur la Seine et sur la rive gauche. Alors, comment est-ce qu'on s'organise ? Voilà comment on s'organise une maison de la rue Saint-Louis-en-Lille, justement. Je l'ai choisie un peu exprès. Alors, ne me demandez pas où elle est, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Ça peut se retrouver. Donc une maison qui a été rebâtie dans les années 1770 et qui vous montre à peu près le grand classique. Donc une boutique sur rue avec une arrière-boutique. Alors ici on a une porte cochère, ce qui n'est pas très classique, mais quand on a les moyens, on peut faire une porte cochère. Elle explique la présence d'une remise ici pour la voiture et puis d'une écurie ici au fond. Et puis ensuite en aile, vous voyez l'escalier, très classique aussi. Une cuisine, ça fait partie des choses qui se développent au XVIIIe siècle, où on a une spécialisation progressive des pièces, et puis garde-manger, etc., qui apparaissent derrière. Et évidemment, quand on a une porte cochère, il faut avoir un portier. Sinon, ça ne sert à rien, ça fait partie du standing. Voilà. Alors, autre exemple assez intéressant, une maison qui n'existe plus. Vous le voyez, on est parvis Notre-Dame. Alors en fait, quand vous regardez la cathédrale, c'est sur la gauche, donc c'est à peu près là où se trouve aujourd'hui l'Hôtel-Dieu. Et c'est une maison qui appartient au chapitre Notre-Dame et qui est louée à Parvis de la Renardière, qui est architecte. Et donc Parvis de la Renardière propose, au début des années 1770, d'entièrement refaire la distribution intérieure. Et c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution et on voit les apports des nouvelles théories de la distribution qui, au départ, dans les ouvrages théoriques, sont surtout destinés aux hôtels particuliers, etc. Mais que l'on adapte avec beaucoup de finesse et beaucoup d'astuces, souvent, dans les maisons un peu moins cossues, même si celle-là est quand même une belle maison. Alors, à gauche, ici, ce sont les deux plans du rez-de-chaussée, avant travaux et après travaux. Alors, vous voyez que globalement, il n'y a pas de changement majeur. Hein, on a toujours un premier corps de logis qui s'étend ici au-dessus du passage de porte cochère et puis d'une chambre entre la rue et la cour. Une cour avec un escalier en aile et puis un deuxième corps de logis. Donc, jusque-là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez que ça ne change pas par la suite. Mais on a des spécialisations de pièces. Ici, il y avait chambre, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein, chambre, c'est la salle à tout faire. On n'y dort pas forcément.
On a mis un logement de portier, toujours pour la même raison, une cuisine, parce qu'avant, la chambre, il y avait une cheminée, donc on pouvait cuisiner dans la cheminée. C'est fini maintenant, il faut une cuisine, avec un évier et un fourneau potager. Un petit fourneau sur lequel vous pouvez faire mijoter vos aliments. Ensuite, l'escalier, vous le voyez, a été un petit peu transformé pour prendre moins de place. Et puis, il y a un autre escalier derrière qui est un escalier de service, comme celui-ci. Ça aussi, c'est une des grandes nouveautés. On met des tout petits escaliers dans les coins pour que, si vous avez des domestiques, eh ben, ils ne viennent pas vous passer devant le nez alors que vous avez de la visite. Ils passent derrière. Et ça, on trouve ça même dans les maisons les plus petites. Ou alors, vous habitez dans une maison très étroite et vous logez sur deux étages superposés. Il n'y a qu'un seul escalier et il faut sortir du premier étage pour monter à l'étage supérieur. Ben non, vous allez faire un petit escalier chez vous, comme ça, vous n'avez pas à sortir, vous êtes en robe de chambre et vous pouvez passer à l'étage supérieur sans vous faire voir. Et puis, bien entendu, puisqu'il y avait une porte cochère, vous voyez qu'on a fait une remise et une écurie pour 3 chevaux, ce qui permet, bien entendu, de rouler carrosse. Voilà, sans doute petit carrosse. Et puis, voilà les étages, tels qu'ils apparaissent, donc, avant, ça c'est le deuxième étage, avant, après, donc vous voyez, pas de changement majeur, mais on voit de nouveau apparaître une cuisine avec un accès spécifique, sans doute parce qu'on commence aussi à être sensible aux odeurs, on essaie d'éloigner les cabinets d'aisance, ça fait déjà un moment, et les cuisines, et puis une forme de spécialisation de certaines pièces. Vous voyez ici une chambre à coucher, il est écrit « chambre à coucher ». C'est plus la chambre à tout faire, c'est la chambre à coucher. Et on y a même dessiné des lits, ce qui ne veut pas dire qu'ils existent, hein, mais c'est une sorte de tic de dessinateur, de cabinet d'architecte, de mettre des lits pour montrer que voilà, vous pouvez faire une chambre à coucher à cet endroit-là. Et puis vous avez le troisième étage après transformation. Vous voyez que les étages se ressemblent, mais vous avez à chaque fois aussi les escaliers de dégagement dont je parlais tout à l'heure. Alors maintenant, arrivons au pont, puisque finalement les maisons des ponts, c'est la maison parisienne type, c'est presque le modèle de petite maison qu'on trouve dans le manuel de Lemuet qui date du XVIIe siècle. Évidemment, il n'y a pas de cour, ça tombe sous le sens, il n'y a qu'un seul corps de logis, mais finalement on retrouve énormément de choses. Alors je vous ai mis un zoom du plan de l'île de la Cité par l'abbé de la Griffe qui date du milieu du XVIIIe siècle. Ça vous permet de voir à quel point les ponts étaient bordés de maisons. Quand vous traversez Paris par l'ancien Cardot, donc rue Saint-Jacques, rue Saint-Martin, eh bien vous passez sur le pont Notre-Dame et vous pouvez traverser la Seine deux fois, parce qu'avant le pont Notre-Dame, en face, vous avez le pont, c'est le pont au double, non, le petit pont, pardon, le petit pont qui, alors, lui, avait des maisons qui ont brûlé en 1718, mais que l'on a reconstruite en partie. Vous pouvez donc traverser Paris sans savoir que c'est une ville fluviale. J'exagère un peu parce que il doit y avoir des odeurs aussi. Mais on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, c'est assez difficile de s'imaginer ça. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Narbonne, il y a encore un pont avec des maisons dessus. Alors ça se voit plus trop parce qu'en réalité, le pont était très large, il est très bas sur l'eau, et l'eau a été terriblement réduite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule arche sous laquelle passe l'eau, et puis on a mis de la terre des deux côtés. Mais vous traversez, vous ne vous rendez absolument pas compte que vous êtes en train de traverser un petit cours d'eau. Vous êtes dans une rue, voilà. Et bien, c'est exactement ça que l'on avait à l'époque. Les maisons qui sont sur les ponts, ce sont des maisons qui sont, comme les autres maisons parisiennes, ce sont des maisons hautes. Ici, c'est toujours le pont Notre-Dame vu depuis le Port-au-Blé. C'est ce que j'avais mis en première image. Donc, c'est un dessin de l'Espinasse qui est conservé au musée Carnavalet. C'est un détail. Et vous voyez que les maisons sont très élevées et qu'elles correspondent en nombre d'étages à ce que je vous ai donné comme moyenne. Par ailleurs, ces maisons sont aussi des maisons en pierre. On pourrait imaginer qu'elles sont en bois parce que c'est plus léger. Eh bien non, ce sont des maisons en pierre. On le voit très bien sur cette peinture qui représente la démolition des maisons du pont au Change, qui est une peinture d'Hubert Robert, qui est également conservée au musée Carnavalet. Vous voyez ces tas de gravats. Alors bon, c'est Hubert Robert. Hein. Hubert Robert, c'est le peintre des ruines. Donc, ils rapetissent les personnages pour donner encore plus de puissance à ces grandes ruines, mais
finalement, la couleur qui domine, c'est une couleur pierre. Et ça correspond tout à fait à la réalité, parce que là, il a fallu indemniser les propriétaires. Et donc, on a la chance d'avoir des procès-verbaux de visite pour la quasi-totalité des maisons du pont au change, également du pont Marie, dans une moindre mesure, du pont Saint-Michel. On ne les a pas pour le pont Notre-Dame, parce que le seul propriétaire du pont Notre-Dame, c'est la ville de Paris. Et donc, la ville de Paris a dit, on va le faire les premiers, on va démolir nos maisons. Ils ont indemnisé plus ou moins bien les locataires, ils les ont chassés et ils ont démoli. Donc on n'a aucun procès verbal de visite pour le pont Notre-Dame, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, ça nous permet de vérifier que les maisons sur les ponts sont en pierre. Et elles sont d'autant plus en pierre qu'on considère à l'époque que pour que le pont soit solide, eh bien il faut qu'il soit lourd. Et on a des récits, lorsqu'il y a des débâcles, ce qui arrive assez souvent en fin d'hiver, puisque les hivers sont plus rudes à cette époque-là qu'à la nôtre, en particulier ces deux dernières années où on n'a pas eu d'hiver, mais à l'époque, vous avez la Seine qui est prise dans les glaces, et donc vous avez ensuite à la fonte des morceaux de glace qui peuvent être charriés et qui emportent parfois d'autres choses, des morceaux de bois, etc. Donc ça, c'est dangereux pour les ponts, pour la stabilité des ponts, et on a des récits qui nous disent qu'on amène des choses lourdes sur les ponts, des charrettes chargées, des choses comme ça, pour stabiliser les ponts. Et donc, le fait que les maisons soient en pierre est tout à fait logique. Et donc, les façades sont en pierre, les murs mitoyens sont en pierre. Ce sont des maisons qui correspondent tout à fait à ce que je vous ai décrit précédemment. En revanche, il y a quand même du pan de bois. Alors, vous voyez vaguement des morceaux de bois qui dépassent. Ce sont les escaliers, on voit ici. Ce sont aussi les cloisons intérieures, qui, elles, sont bien sûr en pan de bois. Puis, il y a une autre chose qui est en pan de bois, c'est les partie en saillie, en encorbellement, au-delà du parapet du pont, au-dessus de la Seine, donc, qui, elles, sont construites en pan de bois. Ah oui, j'avais une deuxième image qui est moins célèbre, qui est toujours au musée Carnavalet, c'est démolition du pont au change, toujours par deux machis, cette fois-ci. Donc, vous voyez, là, on voit bien le tas de pierres. Hein, bon. Et vous voyez que le pont Notre-Dame, ça, il n'y a plus de maison. Il y a juste le bâtiment de la pompe, et les maisons ont été dégagées, puisque là, on est en 1788, les travaux sont achevés. Alors voilà, sur le pont Notre-Dame, un exemple de la fin du XVIIe siècle, où vous voyez bien cette construction d'une petite saillie sur deux niveaux, au-delà du parapet du pont, et vous voyez qu'elle est entièrement construite en pan de bois, avec un niveau dans lequel on a un petit cabinet d'aisance, et puis un autre cabinet, et un autre où, au-dessus, on a un agrandissement de la pièce. Et vous voyez bien que ça vient se mettre sur des murs qui sont épais, qui sont les murs de façade arrière de la maison, d'origine, hein, donc les maisons du pont Notre-Dame datent du début du XVIe siècle, construits à l'aplomb du parapet et qui sont en pierre. Et on le voit très bien aussi de ce côté-ci, hein, sur la coupe, on voit bien qu'il s'agit de pierre. Ces saillies s'élèvent jusqu'au haut du toit au cours du début du XVIIIe siècle. On a plusieurs demandes de travaux qui apparaissent dans les papiers de la ville, dans la série H. Là, c'est une restitution que j'ai faite, puisqu'on avait l'élévation de la façade sur Seine, et on avait la description, dans le devis du charpentier, de toutes les pièces de bois avec leurs différentes tailles. Donc j'ai pris les pièces de bois, les différentes tailles, et je me suis amusé à restituer ce qui, probablement, était le pan de bois, qui, bien sûr, n'était pas visible, puisque tout cela est enduit par la suite. Et ça donne la chose suivante en axonométrie. Vous voyez ici l'ancien mur de façade, et puis toute cette partie-là, bah, c'est un gain non négligeable, parce que les maisons du pont Notre-Dame sont quand même des toutes petites maisons. Je vais y venir tout de suite en parlant des plans. Alors, je commence quand même par les élévations, pour vous montrer une maison, donc j'ai pris ça dans le livre de Jean-Pierre Bablon sur la construction à Paris, 17e siècle, je ne sais plus quel est le titre exact. C'est une maison du pont au change, au moment de sa construction, au milieu du 17e siècle. Vous voyez que ce sont des immeubles tout à fait solides et qu'on n'imagine pas nécessairement installés sur un pont. Voilà. Et donc là, pour le coup, ce sont des maisons qui sont toutes sous la même toiture, alors que les maisons du pont Notre-Dame ont chacune leur pignon. On a changé la façon de faire. Donc c'est une sorte de grand immeuble. On le retrouve aussi sur le quai de Gèvres. Ici, vous avez le quai de Gèvres, qui est un quai très particulier, hein, puisqu'en fait, le quai est ici. C'est un quai piétonnier. Et vous avez des boutiques, donc vous pouvez voir qu'elles ne sont pas très grandes. Ici, c'est une échelle en toises. Hein, donc chaque maison fait à peu près deux toises de large.
Une toise, c'est 1,95 m. Vous voyez, ça fait 3,90 m de large. Pour une maison, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Et la profondeur, c'est à peu près la même. Et donc, on a en face, donc, évidemment, force de tripoter, ça avance. En face, vous avez une sorte de petit étal supplémentaire qui est vitré. Et donc, ici, c'est la Seine, hein, en bas. Donc, c'est posé sur le parapet, c'est un peu comme nos bouquinistes. Sauf que c'est couvert. On a soit une toiture, soit même un étage par-dessus. Donc, ça devait être assez sombre comme emplacement. Mais évidemment, vous avez quand même l'éclairage qui vient de la Seine, et puis c'est calme, vous ne risquez pas de vous faire attraper au passage par une voiture, donc on peut discuter, voilà. Et c'est fermé la nuit aux deux extrémités. Alors voilà le seul plan, à ma connaissance, que nous ayons d'une maison du pont Notre-Dame. C'est la maison numéro 4 du pont, et vous voyez l'extrême exiguïté de la boutique. Avec un escalier qui prend déjà un tiers de la place. Donc ce sont des boutiques qui sont toutes petites. J'y reviendrai dans quelques minutes. Sur le pont Notre-Dame, comme sur le pont Marie, on a des maisons qui sont de profondeur double de leur largeur. Donc je vous ai dit à peu près, arrondissons, 4 mètres de large, 8 mètres de profondeur. Mais vous avez ici la saillie, supplémentaire, vous voyez que c'est plus étroit parce que c'est du pan de bois et qui vous permet quand même de gagner plus ou moins de place parce qu'elles ne sont pas toutes de la même profondeur, ce qui donne une certaine irrégularité du côté de la Seine. Mais ça ne vous fait pas gagner de la place dans votre boutique. Donc il est probable qu'un certain nombre de boutiquiers du pont Notre-Dame utilisent l'arrière-boutique aussi pour montrer leurs marchandises, parce que sinon c'est pas possible. On se marche sur les pieds dans la boutique. Ça, c'est le pont au change, deux maisons, numéro 18 et 19. Là, on a beaucoup, on n'a pas toutes les maisons, mais on a beaucoup de plans de maisons, parce qu'avec les procès-verbaux d'expertise pour indemnisation, on en a un certain nombre qui ont été dressés. Donc là, les deux maisons appartiennent à la même personne, mais je vous les montre parce que c'est intéressant. D'abord, la maison est plus profonde. Grosso modo, c'est 2,5 fois ou 3 fois en profondeur la largeur de la maison, sans compter la saillie qu'on retrouve. Et puis, vous avez ici un cas intéressant. Vous voyez que la boutique est plus profonde. Une boutique et un passage d'allée, puisque comme ce sont des plus grandes maisons, eh bien, vous avez des locataires aux étages. Donc, pour que les locataires, quand ils rentrent chez eux, ne passent pas au travers de votre boutique, parce que c'est toujours un petit peu gênant, eh bien, on établit dans certaines maisons des couloirs comme ça, qui ont leur propre porte et qui permettent aux locataires de ne pas gêner le commerce. Parfois, ce sont des couloirs, c'est probablement le cas pour la maison de gauche, qui sont établis uniquement pendant la nuit. Donc on met des planches de bois avec des fers derrière. Comme ça, on ne peut pas accéder à la boutique, mais on a entrée libre pour les locataires. Alors voilà ce que ça donne le pont Notre-Dame à la veille de sa démolition. C'est un petit bricolo que j'ai fait à partir de photos des deux. Au moment de la démolition, le pont Notre-Dame, on a démoli un côté d'abord, puis l'autre côté après. Donc on a deux plans, un pour chaque côté. Donc là, je les ai mis plus ou moins face à face, avec la pompe qui alimente une partie des fontaines du centre de Paris, avec le procédé de pêche au filet, il y a une espèce de chalut qui est posé ici à la sortie de cette arche, et avec les différentes maisons. Donc vous voyez, 61 maisons, puisque la numéro 1, en fait, a été détruite au moment de la création du Quai Pelletier. Enfin, puis on a changé la numérotation, peu importe. Des maisons relativement étroites. Et je vous ai mis ici, numéro 35, la maison de Gersin, parce que je vais revenir là-dessus. Gersin, le marchand de tableaux, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors voilà ce que ça donne. Le tableau est célébrissime. La joute des mariniers Draguignan, toujours au musée Carnavalet. Vous voyez bien, les saillies qui monte jusqu'au toit, sauf pour certaines maisons. Donc celle qui est ici a changé, a gardé son ancienne façade. Et toutes les autres, vous voyez, on est dans les années 1750, c'est 52 ou 54, je crois, ont désormais une saillie qui s'élève jusqu'en haut, donc ont été très largement agrandies par cette saillie. Autre exemple, le pont Marie, qui est le dernier pont parmi ceux dont je vous parle qui existe encore, puisque les autres ont tous été reconstruits, mais le pont Marie, qui est juste à côté, là, lui, il existe toujours, c'est le même pont. Alors vous voyez, il est un peu bizarre, parce que les maisons ne vont pas jusqu'au bout, tout simplement parce que donc, c'est construit au milieu du XVIIe siècle, et en 1658, il y a eu une débâcle un peu violente,
qui a emporté une arche avec toutes les maisons qui étaient au-dessus. Et on s'est dit, bon, on ne va pas reconstruire les maisons. Et donc, ça a donné cet aspect un peu bancal au Pont-Marie qu'il a gardé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, puisque les maisons sont démolies en 88-89, à peu près. Et vous voyez que là, en revanche, les saillies sont beaucoup plus discrètes. Ce sont en général des cabinets des anses. Et puis, sur le pont au change, alors, une vue d'optique, c'est toujours un peu... Là, il a l'air tout petit, ce pont, alors qu'il est très long, hein, il fait 120 mètres de long, à peu près, mais qui vous montre un petit peu ces très grandes maisons. Et là, on est dans la situation après 1737, où, et là, j'entends que j'ai parlé déjà depuis presque une heure, donc il va falloir finir. Donc, 1737, on a détruit une partie des maisons pour faciliter le virage, pour atteindre le quai qui est sur la rive gauche, sur l'île de la cité, en l'occurrence. Donc, il va... c'est le quai... Comment s'appelle ce quai ? Le quai de l'horloge, voilà. Parce qu'avant, c'était très compliqué pour les voitures de faire le virage. Ils devaient accrocher le coin de la maison du bout à chaque fois. Enfin bref, on a pris la décision de faire des travaux que voici. Là, vous avez avant à gauche et après à droite. Vous voyez qu'on a supprimé tout bonnement trois maisons, plus les trois qui étaient en encorbellement sur le quai. Donc ça vous fait quelque chose, une sorte de placette. Et ça a permis... à cette maison-là, d'avoir des ouvertures sur le côté, qu'on voyait assez bien, hein, vous voyez, ici. Et ça a permis à un marchand limonadier de s'y installer, c'est-à-dire de tenir un débit de boisson, ce qui est rarissime sur les ponts. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débit de boisson sur les ponts ? Parce qu'il n'y a pas de cave sur les ponts. C'est une des grandes différences avec les maisons sur la terre ferme. Ce qu'on appelle cave sur les ponts, c'est une espèce de truc tout petit où il faut entrer courbé... Il y a même des récits qui disent pour certaines maisons, quand on a les procès-verbaux d'expertise, la cave est tellement basse qu'il faut y rentrer à quatre pattes, en rampant. Ce qui me paraît peut-être un peu excessif, mais sait-on jamais s'il y a des débris au sol qui se sont accumulés. Bref, de toute façon, c'est pas bon pour le vin, même si on a une cave, avec l'eau qui passe en dessous, c'est très mauvais. Donc, les maisons sur les ponts sont très proches des maisons du reste du centre de Paris, mais elles ont des inconvénients. En particulier l'absence de cave, qui fait que tout le monde ne peut pas s'y installer, et donc ce sont souvent des métiers qui n'ont pas besoin vraiment de cave qui s'y installent. En revanche, elles ont des avantages. Avantages non négligeables, vous pouvez puiser l'eau quand vous voulez. Il suffit d'avoir un seau avec une corde et hop dans la Seine, puisque bien sûr on boit l'eau de la Seine à l'époque. Comme disait Léopold Mozart dans une des lettres qu'il écrivait à ses amis, il restait à Salzbourg lors de la première visite, la première visite de Mozart quand il est enfant avec son père, il leur écrit « Ici, quand on veut de l'eau, il y a des gens qui passent dans la rue avec des seaux, qui crient à l'eau, et donc on leur fait signe, ils vous montrent de l'eau. Bon, c'est de l'eau qui sont allés puiser dans la Seine. Au début, ça fait quelques effets que la décence m'interdit de vous raconter en détail, mais vous comprenez bien. Mais au bout de quelques jours, on s'y fait. Alors évidemment, quelqu'un qui vient de Salzbourg, ces régions alpines où vous avez des fontaines à tous les coins de rue et où c'est de l'eau de source, ça a dû faire un peu... Bon, c'est Lavoisier aussi qui dit l'eau de Seine est très bonne pour ceux qui ont des problèmes de digestion. Voilà. Bon. Donc, quand vous êtes sur une maison sur un pont, vous pouvez puiser de l'eau. Autre avantage, vous n'avez pas besoin de faire vider votre fosse d'aisance. Et oui, je fais exprès de mettre les deux ensemble parce que les deux sont souvent liés. Les puits sont très souvent souillés par les fosses d'aisance qui sont à côté, dans le reste de Paris. Et ça, on a, à l'époque d'Haussmann, Belgrand fait toute une enquête sur les puits parisiens et je ne sais plus, un pourcentage absolument affolant de puits qui sont pleins qui donnent de l'eau imbuvable. Bon. Donc là, vous n'avez pas à faire vider votre fosse d'aisance. Si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, ce sont des arguments. Lorsqu'on fait expertiser les maisons des ponts pour indemniser les propriétaires, la ville de Paris, qui est en charge de la démolition, envoie un expert, et le propriétaire envoie un autre expert. Donc c'est expert contre expert. Chacun essaie de dire, voilà, c'est bien, c'est pas bien. Alors, évidemment, celui du propriétaire évalue toujours plus haut. Presque toujours plus haut que celui de la ville, et on fait intervenir un tiers expert qui coupe la poire en deux, et voilà. Bon. Mais c'est un des arguments qui sont mis en avant. Vous n'avez pas à payer pour votre eau, vous n'avez pas à payer pour faire vidanger vos fosses d'aisance. Et donc, c'est pas du tout négligeable. Et puis enfin, last but not least, une vue imprenable.
Alors ça, c'est un Ragnet qui n'est pas au musée Carnavalet, que j'ai trouvé sur Internet. Il a été mis en vente chez Arcurial il y a quelques années. Donc, je ne sais pas où il est maintenant, mais voilà. Ça, c'est la vue qu'on peut avoir d'une des maisons du côté est du pont Notre-Dame. Vous reconnaissez l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. Voilà, c'est quand même pas mal. Et c'est là aussi quelque chose qui est souvent utilisé, puisque dans les rapports d'expertise, on voit très bien que les maisons sur les ponts, très souvent, rajoutent des étages. Et c'est là que, sur le pont Auchange, il y a une maison qui a 7 étages, dont 2 dans les combles, et dont le dernier est en fait une terrasse, avec des pots de fleurs, avec une jolie décoration. Et donc, on monte là-haut et on profite de la vue. Voilà, alors le problème, c'est que les seuls qui peuvent profiter de la vue, en fait, ce sont les habitants des ponts, puisque je vous l'ai dit, quand vous traversez les ponts, vous voyez rien. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles on a détruit les maisons. Alors pour terminer, autre élément tout à fait particulier de ces maisons sur les ponts, ça c'est un croquis que j'avais fait pour montrer un petit peu en coupe ce qui était une maison modèle, disons la maison de pont. Ça ne marche pas pour les maisons du pont Notre-Dame, mais pour les autres ça fonctionne bien. Vous voyez qu'il y a 2 étages à l'arrière. Ça, c'est très moderne. On retrouve ça dans des constructions des années 20, dans dans certaines cités construites dans les années 1920. Hein. À Berlin, par exemple, vous avez tout à fait ce genre de choses. Je trouve ça tout à fait étonnant. Donc, vous avez la boutique, l'arrière-boutique à laquelle il faut monter, et ce qu'on appelle la salle basse, qui sert souvent de cuisine, à laquelle il faut descendre. Et donc, vous voyez la cave qui est extrêmement basse ici. Autre exemple, sur le pont Notre-Dame, ça c'est un document qui est conservé à l'École nationale des ponts et chaussées, et vous voyez bien qu'on a ici le niveau de la rue, 2 niveaux avec la boutique, dont vous constatez à nouveau qu'elle est rikiki. On monte jusqu'à l'arrière-boutique et on descend à cette salle basse, et vous voyez que là, on a très clairement la saillie qui monte jusqu'en haut, et puis cette toute petite cave qui n'est pas très intéressante. Alors, oui, je crois que j'ai encore une image. Voilà, c'est pour vous montrer. Ça, c'est la démolition des maisons du pont Notre-Dame. Mais ce qui m'intéressait sur cette image, c'est ce qui est derrière. Alors, c'est pas la version de Carnavalet, pour une fois, c'est Hubert Robert. C'est l'autre version qui est à Karlsruhe. Je sais plus quel est le titre, la Staatliche Galerie, je crois, à Karlsruhe, qui est plus nette. Et vous voyez l'aspect des maisons du pont Auchange. Hein, on a l'impression d'avoir un mur de maisons avec ces élévations très importantes et puis ces saillies les unes sur les autres. Voilà. Alors, si je voulais vous parler des ponts, c'est aussi pour une raison conjoncturelle. Ah oui, non, bon, je passe très vite là-dessus. Ça, c'est pour vous montrer l'aménagement de l'intérieur d'une des salles basses. C'est un des documents qu'on peut trouver, ça date des années 1740, sur le pont de Notre-Dame. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que vous connaissez tous, je vous ai parlé de Gersin, vous connaissez tous cette image, ce tableau de Watteau, qui est conservé à Berlin, à Charlottenburg, et dont on nous dit que c'est l'enseigne de Gersin, c'est son titre. Alors, il se trouve que je fais partie d'un tout petit groupe de travail qui est piloté par Sophie Rowe, qui est... maître de conférence en histoire de l'art à l'université de Lille 3 et qui travaille sur le qui a fait sa thèse sur le marché de l'art à Paris et dans le reste de l'Europe. Et donc elle s'est intéressée à cela. Elle s'est demandé si l'image qu'on a ici, première question, représente la boutique de Gersin. La boutique de Gersin qui est sur le pont Notre-Dame. Je pense que vous pouvez vous rendre compte déjà qu'elle a l'air bien grande après ce que je vous ai dit des boutiques. Bon. Et ensuite, si c'est une enseigne, comment était-elle posée ? Puisqu'on sait que ça a été exposé pendant 10 ou 15 jours, fin octobre 1720, donc peu de temps avant la mort de Watteau. Et donc l'idée de départ, c'est ça, c'est de répondre à ces questions. Et on a fini par partir sur une restitution en 3D. Alors les images que je vais vous montrer sont différentes étapes, c'est pas encore abouti, qui nous permettent de voir comment était la boutique de Gersin, donc comment est une boutique dans laquelle on peut entrer, mais là c'est des images fixes que je vais vous montrer, donc vous n'allez pas entrer, vous allez voir, quand même un petit peu. Et puis, on s'est aperçu que c'est tout petit. On a essayé d'y mettre des meubles parce qu'on a un inventaire après décès qui date à peu près de la même époque. On n'y arrivait quasiment pas. Hein. Ça a été assez compliqué. Et on a trouvé, ça je suis content parce que c'est moi qui ai eu l'idée, où on avait mis cette enseigne. Vous remarquez peut-être qu'il y a une trace courbe ici. Et en fait, un document nous permet de savoir que l'auvent qui est au-dessus de la boutique
chez Gersin à une autre période, parce qu'évidemment, c'est toujours ça. Le jeu, c'est que vous n'avez pas tous les documents pour la même date. Ça serait trop facile. Donc, bon, il faut extrapoler. L'auvent est dit auvent cintré. Et c'est un auvent, sans doute, avec un cintre. Mais vous allez voir, ça sera plus simple comme ça. Alors voilà, ici, vous avez des auvents cintrés qui, normalement, sont remplis. Les couleurs ne sont pas les bonnes. On va encore changer des choses. Voilà ce qu'est un auvent cintré. Donc, vous pouvez y mettre un tableau, ici, au-dessus de la boutique. Donc, ça, c'est la rue du Pont Notre-Dame. On s'est amusé, on y a mis une vinaigrette et puis un carrosse au bout, parce que, comme c'est sur tablette hein, aussi, alors, je ne suis pas venu avec la tablette, mais on peut traverser le pont. Puis, comme on ne voulait pas que les gens continuent trop loin, on les arrête par un carrosse. Voilà. Puis, de l'autre côté, il y a une charrette avec des choses. Et voilà la boutique de Gersin. Et voilà comment ça marche. Et ça marche très bien avec les tailles qu'on a, ça fonctionne parfaitement. Et donc là, vous avez la boutique de Gersin. J'avance un petit peu, une autre vision. Donc il a fallu reconstituer les bouts ici, parce que évidemment le tableau actuel s'arrête là, et on a coupé les bouts pour les remettre au-dessus. Il a été coupé en deux aussi, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc là, c'est Photoshop et mon ami. Hein, je me suis amusé à restituer ça. Et voilà, alors ça, c'est une étape un peu plus proche, à laquelle on a mis ici une boîte. Il manque encore le trou pour la serrure. C'est les boîtes qui permettent de descendre les lanternes pour les allumer. Puisque l'un des objectifs, c'est d'avoir une version nuit aussi. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. On dit à l'époque, « Ah, Paris est une ville éclairée comme en plein jour. » Oui, mais enfin, ils n'ont pas les mêmes référentiels que nous. Et donc, on va essayer avec... on a fait des tests, mais c'est pas évident, fabriquer des bougies en Suisse. Y a une étudiante qui s'appelle Sophie Reculin qui va soutenir, dans pas longtemps, je crois, sa thèse, sur l'éclairage dans les villes. Elle a essayé, elle est allée voir son boucher, elle lui a demandé du suif. Elle a essayé de faire des bougies, elle a eu un mal fou. Ensuite, il fallait une mèche en coton, mais le coton de l'époque, c'est pas le coton d'aujourd'hui. Enfin, bref. Elle a dû un peu enfumer son appartement. Donc on essaie de faire des tests. On travaille avec des informaticiens qui sont habitués à travailler sur les rendus de lumière à partir des différents matériaux. Donc on a bon espoir d'obtenir quelque chose qui va nous montrer pour la première fois, je crois, l'ambiance nocturne, une rue de Paris. Et à mon avis, on va être surpris, on va trouver que c'est très sombre. Voilà. Et puis, dernière image, voilà, l'intérieur de la boutique. Alors, la plupart des meubles, enfin les deux meubles, hein, les deux meubles principaux, la commode et l'enconnure, sont au musée Carnavalet. On est allé, ils ont été très gentils de nous accueillir dans une partie en travaux. On a pu, avec un scan à main, vous savez, les trucs qui ressemblent à un fer à repasser, scanner les meubles sans les déplacer. Le fauteuil, c'est un vieux fauteuil à peu près dans un état de délabrement qui était dans un bureau d'une conservatrice. Alors là, pour le coup, on a pu le mettre à l'envers et le scanner sur toutes ses faces. Puis on l'a un peu retapé parce que... D'ailleurs, elle était très contente quand elle a vu le résultat. Elle s'est dit, vous ne pouvez pas me le refaire en vrai. La cheminée a été restituée à partir d'une cheminée du musée Carnavalet. On sait qu'il y avait des tableaux, mais on ne sait pas lesquels. Donc on a choisi des tableaux qui auraient pu être vendus par Gersin. Et puis, sur le tableau de Watteau, on voit le portrait de Louis XIV qu'on range un petit peu. On est en 1720, hein, on remise Louis XIV. Bon, on a voulu faire un peu la même chose. On a mis ici, parce qu'on sait qu'il y avait des tableaux dans l'arrière-boutique, un tableau de Louis XIV. Voilà. Bon, alors c'est un élément, c'est une présentation à améliorer, évidemment, mais... nous, ce qui nous avait frappé, c'est l'exiguïté de cette chose. Quand il a fallu mettre... Normalement, il y a deux enconnures, hein, dans l'inventaire après décès. Mais on ne savait pas où mettre la deuxième. Enfin, on aurait repris la même qu'on aurait remis ailleurs. Hein. Donc, on ne l'a pas mise. Donc, c'est très, très compliqué. Mais affaire à suivre. Et normalement, à Tourcoing, il y aura une salle absolument extraordinaire d'immersion. Alors, on appelle ça le demi-babybel, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. En fait, vous voyez, dans les babybel, la chose en cire rouge. Donc, vous prenez une demi-cire rouge et c'est ça, sauf que ça sera énorme et qu'on pourra entrer dedans. Donc en fait, vous serez immergé. On ne l'a pas encore vu, ça devrait être inauguré au printemps, mais qui vivra verra. Voilà. Bon, et donc ça nous permettra de restituer ce qui était le pont Notre-Dame en partie avant la démolition. Ça, c'est toujours les spinasses. Vous voyez, il a refait le même dessin que celui que j'avais mis au début, sauf qu'il a enlevé les maisons. Voilà. Alors, c'est
totalement faux. En réalité, le pont Notre-Dame a un léger dos d'âne. Donc là, on a l'impression qu'il est tout droit, ça n'est pas vrai. Mais et c'est une des difficultés, d'ailleurs, pour la restitution. Il a fallu qu'on décale toutes les maisons. Il a beaucoup ri, celui qui a fait la restitution 3D. Bon. Donc, le pont Notre-Dame, dont les maisons sont abattues dès 1787. Le pont au change. Là, vous avez une vue. C'est toujours l'espinasse. C'est conservé à la Morgan Library Museum, donc à New York, je crois. Enfin, aux États-Unis, en tout cas. C'est le pont Notre-Dame sans maison. Vous voyez que le pont Marie a toujours ses maisons. Donc, ça nous permet de dater. On est en 87, pas plus tard. Mais vous voyez aussi que ça ouvre la vue sur la Seine. Et c'est une des raisons de la démolition des maisons, c'est faire circuler l'air, permettre un aspect esthétique. On considère que ces maisons sont laides. On dit que ce sont des maisons gothiques. Le mot gothique au XVIIIe siècle est très négatif. Voilà. Alors, on a démoli le pont Notre-Dame, les maisons du pont Marie, les maisons du pont au Change, et puis le pont Saint-Michel. Ben, il a fallu attendre un peu, parce que c'était le dernier. Les propriétaires ont fait un peu de résistance. La révolution est arrivée. On avait d'autres chats à fouetter. Et donc les maisons du pont Saint-Michel sont restées jusqu'en 1808. Et c'est Napoléon qui a signé un décret, alors qu'il était à Tilsit en train de discuter avec le tsar, en 1807, pour démolir les maisons du pont Saint-Michel qui dénaturaient le centre de Paris d'une façon qui était inacceptable. Et donc voilà le pont Saint-Michel sans maison, mais tel que vous ne le connaissez plus aujourd'hui, puisqu'on a tout reconstruit autour. Vous connaissez la Sainte-Chapelle sans flèche derrière. Et on a ici un aspect, donc c'est toujours au musée Carnavalet, hein, ce tableau, qui est une mine absolue, évidemment, pour l'histoire de Paris. Vous voyez le pont Saint-Michel sans ses maisons, et donc qui vous permet de constater que vous traversez enfin la Seine, alors que jusqu'en 1788, c'était absolument impossible de le savoir. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, donc je m'arrête là pour que vous ayez éventuellement le temps de me poser des questions.